Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Adrift. Nous venions juste de réparer notre combinaison de spationautes. Et le problème c'est qu'on était un petit peu revenu... Attendez, on était un peu revenu sur notre chemin, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est comme si c'était une fausse impression. Je suis un peu perdu en fait, honnêtement. Qu'est-ce qu'il nous dit ça... Ah non, c'est un nouveau truc. Alors, est-ce qu'on est à nouveau à un endroit que je connaissais pas? Je crois pas que je suis allé à cette espèce de... Vous savez quoi, on va y aller. On devrait avoir l'oxygène nécessaire pour y aller, je pense. Puis au pire, ben, on reviendra au point précédent. Alors, on va peut-être essayer d'aller à celui-là même. Ça me paraît un peu optimiste. Quoique là je suis sur une bonne trajectoire, j'ai rien à dépenser. Juste un tout petit peu ajuster cette trajectoire. Scan de la zone. Ouais, intéressant. Ouais, parce qu'à un moment, si on veut avancer dans l'histoire, je pense qu'il faut pas avoir peur de traverser les vastes étendues spatiales pour peut-être aller explorer des éléments de la station qui sont un tout petit peu plus éloignés que juste tout ce qui est connecté, quoi. J'ai un peu l'insentiment qu'on a fait le tour. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un endroit que j'ai complètement oublié d'aller. Le problème, c'est que je n'ai pas une vision d'ensemble de cette station. Remarquez, de ma position ici, je devrais en avoir une de vision d'ensemble, non ? Je sais même pas d'où on est sorti. Ouais, non, ça c'est le truc avec l'arbre. D'accord. Ouais, bon attendez, on va revenir là où on était. Ouais, on est en train d'approcher. Là après, on va pouvoir accéder à cette zone-là. Ça peut être intéressant. Ah, mais si en plus il y a des bouts qui apparaissent, comment vous voulez qu'on ait une vraie vision d'ensemble? C'est pas possible. Ouais, vous voyez, on est large en termes d'oxygène. Putain, on aurait fait ça avec sans avoir eu l'amélioration. À mon avis, on serait mort. On va essayer d'éviter de se manger les trucs électrifiés si possible. Ah bah tiens. Il y a des bouts de décor qui s'activent quand on s'approche, c'est pas génial ça. C'est pas très optimisé, dites-moi. Hein. Système de survie d'urgence connecté. Ouais, comme je disais, ça c'est pour moi c'est un truc qui brise vachement l'immersion quoi. D'où quand je suis dans... Ah! Hop là, il est là. J'ai failli le rater. Ça s'ouvre pas? C'est fermé? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait encore un laboratoire hydroponique. J'ai l'impression d'être déjà venu. On va faire le plein d'oxygène. Petit scan. Ah, il y a quelque chose par là. On a assez d'oxygène pour y aller. Qu'est-ce que c'est? Maintenir appuyé. On va voir. Solaris Energy Processing Module Emergency Lot 1 of 2 released. Fermeture d'urgence 1 sur 2 libéré. Ok. Bon, bah c'est bien, je crois qu'on a avancé. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai pas une bonbonne d'oxygène? Ah si, là, voilà. Nickel.
Ah oui, non, mais j'ai une super portée de mon détecteur, on dirait. C'est quoi ce bruit? Ah. Ok, donc on peut aller directement dans un nouveau module. C'est le module. Oula, attention au truc électrifié. Je pense qu'il faut qu'on aille vers là-bas. Ah, le mec il a eu des relations sexuelles. J'espère que c'était pas avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Synchro de l'état utilisateur. Ah, on a une AVI station encore. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille plutôt à gauche ou à droite? Pas trop. On va aller à droite pour voir. Faire le plein avant. Ok. Allez, on va pour la droite. Ok, donc c'est juste un accès extérieur direct. On va essayer par la gauche pour voir. Et là, ça nous fait sortir aussi de l'autre côté. Bon. Alors. Moi, ce que là où je voulais aller, c'était à cette espèce de truc là. Qu'est-ce qu'il me dit mon scanner? Vous savez quoi? On va monter direct par là-haut. Ah, d'accord, bon, c'était l'autre sortie en fait, au final. Ah, il y a un truc verrouillé par là, vous voyez? Ah, c'est une nouvelle grande structure quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Oh merde! Je peux pas y passer, c'est fermé. Ouais, c'est pas une bonne idée d'y aller. On va plutôt essayer de redescendre par là. Profitez pour faire le plein. Nickel. Fais attention à ce truc là aussi. Évitez de le toucher. Aïe. Et merde. C'est bon. Ah, un truc à écouter encore. Fuite d'oxygène réduite, parfait. Ah, il y a un gant qui traîne. Youp là. Personal log. System specialist. Encore lui. McDonough, Andrew, 2, July, bon, là, ça a pas l'air actif leur truc au moins. Oh, du Beethoven, cool. Lettre à Élise. Ma préférée, quasiment. Avec l'hymne à la joie. Qui nous dit le scan par ici? Oui. Non, je peux pas rentrer par là non plus, apparemment. C'est fermé. Les deux entrées vers ce truc-là qui sont fermées. Il va falloir qu'on en trouve une, je pense. Hein. Vu que, comme je disais, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Alerte, débris en approche. Quel débris en approche? De quoi il parle? Ah, là, il y a encore un truc à activer.
Je crois que c'est le lock numéro 2. Ouais, il semblerait bien que ce soit ça. Il semblerait bien que ce soit ça. Solaris Energy Processing Module Emergency Lock 202. Ok, déverrouillage 2 sur 2. Access portals online. Portail d'accès connecté. Ça veut dire que je peux y rentrer a priori. On va essayer. Alerte, avancer avec prudence. Ok. Il y a autre chose par ici. On dirait pas a priori. On va revenir un peu sur nos pas. Voir si l'entrée que je venais de voir juste derrière cette porte là était toujours verrouillée. Ou si on peut y aller dans cette espèce de traitement d'énergie. Voyons voir. C'était... Non, c'était pas là en bas. Pas tout à fait du moins. C'était sur la droite dès qu'on était sorti. Voyons voir. Non, là c'est toujours fermé. Du coup la question c'est par où est-ce qu'on va y rentrer. On va rentrer par ici. Et puis on va faire le tour de cette partie là de la station vu qu'on ne l'a pas fait. Aïe, et merde. Faut que je répare parce que j'ai l'impression que l'intégrité de ma combinaison est pas géniale. Et merde. Ah mais. Warning. Hand for EVA suit critically damaged. Ah, je suis gravement endommagé là. Systems operating at 64%. D'accord, 64%. Hand for EVA emergency repair required. Ouais, d'accord. J'ai bien pété ma combinaison. Félicitations, Jay. Ah bah, il y a un truc de réparation là-bas. C'est parfait. Et les devs, ils se sont dit, arrivé là, Jay, il va se péter la gueule. Du coup, il faut qu'on lui mette un truc de réparation pas loin. C'est bien aimable de votre part. C'est bien civilisé. Qu'est-ce qu'on a par ici? Keep clear, c'est quoi ce truc? J'ai pas la moindre idée. J'ai l'impression de pouvoir interagir avec. Aïe! Oh putain, non. Réparation! Ça manque un petit peu d'objets avec lesquels interagir, je trouve. Il y a beaucoup, une grosse partie de l'environnement quand même. C'est très très détaillé, mais. Je peux rien faire quoi. Ça aurait été sympa là, je sais pas, d'appuyer sur un bouton que ça déclenche quelque chose. Une catastrophe par exemple. Bon allez, signe vitaux stable, tout va bien. Ok, donc là on a à nouveau une espèce de pylône de communication. Là nous avons à nouveau une data card à récupérer. Ah, attrape-le! Putain, je l'ai poussé. Ah, le con. Ça va pas ralentir en plus, hein. Je peux pas l'attraper. Il va plus vite que moi. J'ai l'impression de m'approcher, mais je crois pas que je m'approche en fait. Oh le con. Si. Allez, on va plus vite que lui là. Attrape-le. 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 Yes. Wouhou. Demi-tour. Du coup, parce que... C'est pas par là qu'il faut aller a priori. J'ai failli crever, je pense, avec cette connerie. Parce que bon, moi j'ai de la propulsion, donc normalement c'est obligé que je le rattrape, mais vu que le jeu me bloque ma vitesse maximale,
d'une façon totalement irréaliste, bah si j'ai un objet qui va à la même vitesse que ma vitesse maximale, bah je peux pas le rattraper en théorie quoi. Là j'aurais été vraiment malin. Ok, donc là-bas, je pense que je vais aller sur la droite plutôt. Vu qu'on a déverrouillé les deux trucs, je suis à peu près convaincu que c'est par là qu'il faut aller, hein. Honnêtement. Viens voir. Par là, on va sur la droite. Il y a des petites loupes à aller voir. Il y a un paquet de petites loupes qui traînent d'ailleurs. Ah tiens, pour une fois on ne se retrouve pas à l'extérieur. Ça fait plaisir. Ok, donc la loupe c'est la porte. Là, c'est tout verrouillé, je pensais que c'était des fenêtres. Non, non, c'est pas des fenêtres à gauche et à droite là. Alors. Ça veut s'ouvrir tout seul, voilà. Oula, merde. D'accord. Oh putain. Alors, ça honnêtement, je pense que si j'essaie de le traverser, je suis mort. Mais peut-être que si j'essaye de le contourner sur le côté. Passer dans le trou. Merde. Allez, traverse, traverse, traverse. Ah, ça a l'air bon. Et franchement, j'étais persuadé que j'allais crever. Et en fait, non. Ça fait toujours plaisir. Alors, a priori, je peux rentrer dans la boule par ce trou là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'y aller ou on essaie d'aller en face? Hop là. Ouais, il y en a déjà deux qui sont morts. Ok, donc on va essayer de rentrer quand même dans cette structure. Ça a l'air d'être une grande structure. Très importante. On va voir. Si je passe par là-haut, ça devrait aller. Ça a l'air bon. Yes. Ouf. J'avoue que je stresse avec ce genre de passage, moi. Il suffit que genre mes pieds se fassent prendre et puis c'est fini, quoi. Ok, alors. Ah. Il y a d'y avoir une petite data chip, là. Combinaison, station de recharge connectée. Voilà, celui-là au moins je l'ai eu direct. Nickel, ça nous en fait 8. Vous savez quoi, on va aller faire le plein à la station. Ok. Alors on va essayer de sortir de ce côté-là, je pense. D'accord, c'est une porte qui a l'air endommagée. Blocage détecté, autorisation manuelle requise. Ok, ah oui. Je suis pas convaincu de pouvoir traverser là, honnêtement. Hop, doucement. Quoique si, on devrait pouvoir. Allez, on va tenter le coup. Allez, passe par en bas. Quel est le con qui a eu l'idée de foutre des systèmes comme ça là, super dangereux. Ah, c'est des turbines en fait. Des espèces de turbines, alors, je sais pas du tout ce que c'est comme forme d'énergie que ça produit. Mais en tout cas, on est passé sans mourir. C'est classe. Ok, donc là on sort carrément. D'accord.
Est-ce qu'à partir de là, ça veut dire que je peux rentrer dans l'espèce de fameux grand bâtiment que je voulais accéder depuis tout à l'heure? On dirait toujours pas, hein. En tout cas, j'en suis très proche. Ça va les ressources? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. On va essayer d'aller dans la structure en face. Merde, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, non mais je me suis approché trop près du mur. Nœud d'alimentation, échec. Et on va reprendre un peu d'oxygène. On va rentrer dans ce bâtiment. Pas vraiment des bâtiments, on pourrait plutôt, je ferais mieux que j'appelle ça des modules d'ailleurs. Ah, ça remplit plus au maximum du coup, hein. Ok, alors où est-ce que ça nous mène ça? Ça a l'air d'être grand. Aïe, mais merde, c'est pas possible. On va bien voir, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là déjà? Ok, ça mène direct à l'extérieur. Je crois que l'autre c'est la même chose. Je vois que des espèces de... C'est vraiment immense quoi. Et on va rentrer dans ce bâtiment, on va éviter de s'électrocuter. Et merde! Oh putain! Double strike. Ça m'a quasiment vidé mon oxygène, superbe. C'est pas bon signe ça. Est-ce qu'il y en a de l'oxygène par là? Oui, il y en a juste derrière la porte. Est-ce qu'il n'y a pas une station de réparation par ici? Non. Ah putain. Non mais arrête de te manger tout ce qu'il y a à se manger, Jay. Un peu nawak. Bon, ce que je vais faire par contre, c'est qu'on va faire un petit break ici. Parce que c'est l'heure. Et on va continuer notre exploration au prochain épisode. Écoutez, je sais pas trop où est-ce qu'on je dois aller exactement. Je pense que le bâtiment autour duquel je tourne depuis tout à l'heure, c'est doit être important. Ça doit être celui-là où je dois aller. Et je vois qu'il y a l'entrée en fait juste là, dans cette espèce de bulle. Donc on va peut-être essayer au prochain épisode d'aller y rentrer. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Adrift, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!